Sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter. On reste ensemble. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Salut tout le monde, c'est le début d'une nouvelle compétition qui démarre maintenant. 8e de finale de Coupe du Monde, la France face au Maroc. C'est une nouvelle compétition qui commence maintenant. Première étape décisive avec ce 8e de finale. Et jetons un œil sur la composition de l'équipe de France. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. Le Maroc va commencer avec les titulaires suivants. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Kenza Dali. Oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé. Coup franc à venir, évidemment. Et peut-être un avertissement aussi. Et voilà un carton jaune distribué très tôt dans ce match. Le carton conditionne la suite du match. Il va falloir absolument maîtriser ses interventions. Oh, le tir de loin, et c'est repoussé par le mur. La faute est signalée par l'arbitre, coup franc. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Le sommeur.
Kenza Dali maintenant. Gayoro. Et le ballon est finalement intercepté. Ayane. Et c'est Gayoro là qui va s'imposer dans le duel. Bakrar. Diani. C'est pour le Sommer. L'occasion de prendre l'avantage. Quel arrêt splendide. Énorme réflexe. Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. Redouani. Nakache. Ah, c'est une passe en profondeur, dangereuse, mais bien interceptée. Oui, il y a un peu de champ, là, sur le côté. Et le tir, attention! Et le ballon heurte le poteau, ça joue! Ah, le danger est parfaitement repoussé. Ah, c'est mon temps! Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont là? Ils sont payés ou quoi? Et oui, c'est un coup franc après cette faute. Ouais, la parade. L'équipe tente une combinaison. Le Sommer. Et ça rentre. Voilà le premier but du match. La récompense pour une domination. Et c'est logique. La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré. S'empêche la défense d'intervenir correctement. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Ayane. Redouani. Excellent timing sur cette interception. Nakache. Et bien donné en profondeur. Et l'équipe retrouve la possession. Le bon crochet vers l'intérieur. Et oui, le tir. Goal, 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 goal. Et il décroche l'égalisation avec ce but. Il y avait toute la maison sur son dos, hein. Les tables, les chaises, les vélos, mais ça fait quand même un but à la fin. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Seguir. Ayane. Le bloc progresse bien dans le camp adverse.
Oh, la frappe au but. Un ballon sur la transversale, attention. Ah, le danger est écarté. Cette fois, non. C'est intercepté par les montants. Peut-être la prochaine, on verra bien. Alors, on essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Tiani. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Au départ, on s'attend à autre chose et puis finalement, le ballon n'a pas le temps de redescendre. Il est joué de la tête. C'est vraiment très bien joué. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. C'est Guir. Allez, c'est une phase de préparation intéressante avant le décalage peut-être. Interception décisive dans la surface. Ah, le contre est possible. Karchaoui. Sakina Karchaoui. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Ayane. Lamari. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Le Sommer, bonne intervention, la passe est interceptée. C'est l'une des dernières offensives pour essayer de renverser la situation. Le ballon en touche. Ah voilà, ça va bouger, du changement à venir pour les deux équipes. Nakash. Aïe, 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 ballon perdu. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et on en restera là. Donc très bonne opération à domicile. L'aventure continue dans cette compétition.